chez un mec, il était obligé de travailler aussi. Christophe, alors, à chez un mec, ce qu'il me disait mon papa, ouais. Il avait le lag, il avait tous les prisonniers, ouais. Et le studio, c'était le centre d'expérimentation, et le studio, c'était où il faisait les expériments, il faisait tous les cochonneries, comme on pourrait dire. Mais tous les prisonniers étaient dans le lag, c'est-à-dire qu'il y avait dans le camp de concentration. Et le studio, c'était une part à côté, il avait les expérimentations, c'était la part encore plus cachée. À mon avis, papa devait être au Struthof, mais ça peut-être qu'on Il a vu les deux parce qu'il était obligé de travailler de là. Il était obligé de travailler là. Il me disait qu'il avait des degrés. Les prisonniers anglais, il avait un traitement meilleur. Les Russes, les Italiens, les Juifs, il était jeté. Les Ziganes et tout, il était mis comme celui-là. Mais le prisonnier, il était d'abord au centre, au lager, il y a plus le lager. Et après, il venait porter pour les travaux, pour les expérimentations, et pour toutes les choses, il venait porter au studio. Il avait deux choses toujours au chemin. Rappelez-nous le nom de papa. Paolo Luigi. Luigi Paolo. Luigi, lui. Grazie. Prego.